parlez chaud. Parlez vite, parlez clair, parlez chaud. Parlez clair, parlez chaud. Parlez vite, parlez clair, parlez chaud. Parlez clair, parlez chaud. C'est moi qui me passe les doigts, j'en fous pas mais pour mon entend. Mais mal on t'y parle avec nos amis, nous racontons une belle idée. Sami m'intéresse, mais li pas proche, li dit m'tan pri parle pour li. Mwen bay mon sa bel ti pawol. Nan tat mwen sami m'pral plein bol. Mwen man se gade, mwen li souri, li se kwete pi. Li dit m'pipo, mwen pral ba yon ti conseil. Viens donc mon beau, moi vle ti ou li nan zorey, soit dans de reality. Parle pour ta tête, j'ai le tête, parce que c'est à l'amour taille, parce que c'est mon beau, oui c'est ça li dit moi. Elle a compliqué, moi ça me stressé, depuis me prendre un green soulier. Ils sont la fait connaître, pour lui m'a goûté, obligé pas qu'à dire la gueule. Quand j'en m'en prends la tête, j'en s'en mis. Pas fait un mal, mais s'en mis. Malgré moi penser, moi hésité, pas qu'à résister. Moi j'ai avoué que c'est moi qui t'ai ciblé. M'a bien le choix. Quelle chance ou pas, je ne vois. Qui s'en dit? Allez pour ta tête. J'ai le tête. Parce que c'est à la montagne. Taille. Allez pour ta tête. Si ce qu'on fait commissionnaire. Parlez clair, parlez chaud. Parlez vite, parlez clair, parlez chaud. Parlez clair, parlez chaud. Je m'en tiens pas les doigts, j'en fous pas, mais pour mon entend.
Salut, compatriotes haïtiens. C'est toujours un grand plaisir que nous-mêmes, dans MCTV, nous venons rejoindre nous pour nous porter une émission Vive en Santé. Parce que même les canets banques sont pleins, mais lorsque la santé n'est pas bon, c'est quand on a dit que le café a coulé avec moi. Donc, si vous avez un rôle que vous avez joué dans la question de la santé, il faut que vous connaissiez qui est le problème pour que vous soyez capable, au moins, dans le camp de la décision que vous avez prise pour aider tout. Et c'est pour ça que nous-mêmes, dans MCTV, nous décidons de venir avec toute une série de toute une série de présentations sous santé qui capable permettre tout au moins comprendre les parler de telle ou telle maladie donnée. Et c'est pour ça que on même qui t'a suivre nous t'ai parlé de cœur parce que nous parler les monde te dit eh bien on a maladie cœur, est-ce que toute maladie cœur c'est même? Nous t'es allé sous système digestif tout parce que les moun n'a dit vente a fait mal pour nous garder combien problème qui capable gagner la question dans vente là pour même kaka comprendre les médecins dit tel ou tel bagaille donné parce que lorsque n'a regardé qui côté science a privé côté a parlé de précision médecine. C'est-à-dire, vous parlez d'entrer dans le DNA pour être capable de prévoir, pour être capable de traiter et pour être capable de contrôler le système santé. Alors que nous-mêmes, encore, nous avons parlé de maladie bon Dieu, maladie bon corps, nous pas dit mal va exister. Ou bien, maintenant, c'est toujours chalet, Freddy, ou bien gaz qui crée maladie. Eh bien, le système ça nous met sous place là, nous t'a permis pour nous arriver à comprendre combien de problèmes que le monde a gagné pour essayer de digérer les médecins, les médecins, ou tel ou tel va donner, ou bien qu'à poser une question sur ça. Je dis, nous prenons regarder le système respiratoire. Le monde dit, la toussé, moun n'a pas qu'à respirer. Qui côté problème nan yé? Est-ce que c'est un seul problème la pied? Seulement, est-ce que tout c'est même, il faut que tout c'est même maladie à gagner? Est-ce que c'est pneumonie? Est-ce que c'est TB? Est-ce que c'est. En garder, tout au moins à comprendre. Mais ça, c'est poumon. C'est lui-même la caille nous, l'embête la nous, il est froid mou. Si vous gardez, tu as ça qui saute en l'air, tout droit là, c'est traché à qui descend et puis il pral diviser bon bronche. Ou ka wè tuyo sa yo qui allait dans tout poumon, dans toute bifurcation, dans toute direction. Parce que c'est lui-même le respirer qui pral porter oxygène dans la dernière pointe là que nous les alvéoles là pour faire échange de gaz ça qui nécessaire pour la vie. Parce que sou pas ka recevoir oxygène ou pas capable ou pas ka vivre. Ou est qui j'en côté cause là ça n'est pas un qui m'a parti pour moi même mais tuyau qui sautent dans le nerf pour porter yo OK c'est bronchio qui vient faire bronchiol ça vient pipiti même j'en dans la circulation presque même j'en ça tant que la vient pipiti jusqu'à ce qu'elle rive pi bal en dernier point l'hôpital en cal montrer qui a le côté pour échange gaz la fête et puis pour même ou pral mettre sac pas bon dehors ça dit les sang qui sorti la partie droite que a sans salle là li pral ou même pral dégager et puis ou pral ou même après ou l'on respire au portier pour porter l'aller en garder est-ce que tout le monde pas ka respirer ou a toussé qui kaba qui maladie ka créer ça yo en pile pas ka passer tout jodia ou a garder ça ou te wè bronchio qui te aller tout droite l'antique aller tout côté
nous ka di sorti son dans di diviser en dans tout poumon ça yo mette le dehors pour permettre ou comprendre ça c'est asthme ou est qui gens sous porter sous bois ça qui gens bouche là ouvert pour permettre air là entrer pour porter oxygène là eh bien ou moun qui fait asthme sous bois ça ou est qui gens fermé et c'est pour ça fait moun ça sous bois ça li respire il fait et puis l'air là sorti bien vite tandis que moun ki gen asthme ou parce qu'elle fermé leur respirer air là le café bruit mais là l'a sorti tu fais plus bruit et puis il prend plus temps OK il prend plus temps donc ça c'est une maladie spécifique li en dans pour moi mais li parlant ça n'est les parents qui m'a pulmonaire là li parlant encore pour moi c'est en dans bronche là donc qui dit asthme son maladie c'est l'en bronche yo lié ou pral wè l'autre maladie qui différent de asthme mais tout ka bo fort pas ka respirer yo tout ka fort tousser mais tout pas même donc là parler de youn ou e photo là il permet tout comprendre ça yo bon on parti bon pour bon hein, quand qu'on sortait ouais l'on regarde l'autre là ou elle presque dark il fini ou e bronchio qui allait la l'autre bord que n'a regardé là si nous changer le prix là ou là côté broncho aller la finale yo yo commencer m'dakadio y a craser yo ouvert une colère clot yo fin ou c'est ça les emphysème il a dépassé lui empêcher côté l'an dernier côté à et l'oblige pour côté échange là à fête là et bien tout yo commence écraser yo perdre élasticité yo donc et ça c'est un bagage moun ka fumé yo ça c'est salié du compte faire glow une colère clot yo ouvert faire mal il changer système respiratoire là complètement well, et puis moun sa yo cage thoracique yo vin très large élasticité qui te gagné leur respirer ou cage thoracique là ouvert pour dire il rester il pas changer il changer il pas même genre encore parce que changement qui fait en dedans dernier point tuyo capoté côté oxygène là pour al changer yo donc ça c'est une forme ou l'autre forme mais tout ça ka fort di bon difficulté pour respirer il ka fort tousser gen l'autre toujours yon différent de l'autre et ça fait les moun ça yo di un moun c'est très important cigarette c'est yon nan cause ça yo qui vini et ça relé obstructive lung disease qui allait parce que yon fermé li créé côté échange en fait là li pa ka faire normalement ou est qui différent de asthme qui lui-même c'est fermé li fermé li fermé bon qu'il y a là bon l'air a passé li fermé pour empêcher que l'air là entre donc ou est différent ça et puis ou est différent l'autre là et ou te wè un poumon normal que nous te montré ça fait déjà des maladies est-ce que pas gagne l'autre maladie toujours gagne l'autre maladie en dedans ça c'est atélectasie ça de ouais comment pour moi ça ouvert ta cou l'autre pour moi ça il presque le collapse n'est pas ca ouvert encore tu ouais différence si gagné entre premier nous te montre là pour mon normal nous montre ça asthme nous montre ça emphysème yo et puis mais ça nous montre lié ça c'est une maladie qu'on ouais pour moi collapse n'est pas ouvert l'air entrer air la pas entrer ouais quand pour bo ça il y a normalement tout air entré sur côté et sur droite mais tandis que ça ouais quand son masque devini il pas ca ouvert il capable partiel il gagne un petit parti encore ouais différence que le fait la ou perd symétrie pour moi pour si yon comparé avec l'autre donc tout ça c'est maladie différente donc qui dit que lorsque yon moun voye un patient alwe yon un docteur qui fait pour mon logis okay? Moun sa li passe tout l'elle fin fait médecine interne li passe un l'autre 2 ans encore au moins pour li s'il pas fait sous encore l'autre sous spécialité là-dedans pour li devenir un docteur spécifique là pour moi
Il en est de même que Mouna Lelfin fait médecine réelle, l'allé pour faire cardiologie, Lelfin il fait un bon lot sous spécialité encore, parce que il n'est pas aussi simple que parfois, que mon allé, parfois, au monde dit, mal qu'à docteur, plusieurs fois, il n'y a pas qu'à dire ça me gagne, parce que parfois, il réclame un pile test pour faire différence entre une maladie avec un autre, parce qu'il y a un pile maladie qui a fait essouffler, un pile maladie qui a fait tousser, inclut maladie qui part dans le poumon. Parce que nous avons une relation qui gagne entre avec poumon, ou il y a droit à tousser, ce n'est pas poumon lié, en premier lieu, c'est un problème cardiaque qui est capable de faire tousser. Ou il y a droit à tousser, il y a droit à son médicament qui a fait tousser. Ou il y a droit à tousser, ou il y a son simple col qui a gagné. Ou bien doit tousser parce que c'est son virus qui fait ça. Ou bien doit tousser, mon nan doit avoir tuberculosis quand coule l'autre maladie infectieuse. Mon nan doit tousser, gen doit s'en aller. Donc, qui dit que ou capable d'essayer de comprendre, le docteur a dit, ou bien ça, tel bagaille qui fait tousser, ou pas qu'à baser sur tousser, ou bien difficulté respirer, pour dire que c'est maladie ça seulement. Nous avons plus pour nous montrer toujours. Nous prenons une pause et puis après tout, nous venons nous pour nous montrer plus l'autre maladie qui gagne dans le poumon. Pour qui ça nous fait ça? Parce que, à plus, nous voulons un minimum. Le sang, ce n'est pas Freddy seulement qui va rouler. Pour pouvoir dire l'eau a toussé ou pas qu'à respirer, pour pouvoir dire c'est Freddy. Parce que tout est différent de l'autre et traitement est différent de l'autre. Donc, qui dit que si. Ou pas garder, ou pas le faire diagnostic, ou pas le faire médecin. Et puis parce que vous connaissez, ou fait remède faire, ou tout fait corps, ou fait tout l'autre bagage, tandis qu'un pile bagage, qui a coûté la vie. Donc, so, l'on essaye de comprendre la complexité qui est dans tout ça. Donc, c'est une opportunité pour vous pour comprendre l'or bon problème pour clarifier avec le médecin. N'a propose, n'a vingé nous dans une minute. What is health research? Health research helps us find new ways to treat and cure diseases. Health research helps all of us live longer, healthier lives. And while we've been able to discover so much, we can still do better. Let me give you an example. Imagine you were looking for something in the dark with a candle. You'd probably find it eventually, but wouldn't it be easier if you had a million candles? The same is true for health research. The more data we have, the quicker we can find what we're looking for. Enter the All of Us Research Program. We want to help advance health research by creating a large health resource. How big? 1 million people big. By having access to the data of 1 million people, researchers can discover more about our health and the possibilities really are endless. Here's where you come in. By sharing information about your lifestyle, environment, and biology, you can help empower the medical research of the future today. Meet Ray. Ray lives on a farm. He loves playing kickball with his grandkids, but lately he's gotten a little slower and been visiting the doctor a lot more often. This is Kim. Kim lives in the city. She loves to exercise, cook healthy meals, and can't remember the last time she called in sick. They're both people, but not all people are the same. And yet, when we visit the doctor, our treatments don't look that different. Why is that? Because we just don't have enough information to do it better until now. Enter All of Us, the research program based on precision medicine. Precision medicine is a revolutionary new approach to treating and preventing disease that's personalized instead of one size fits all. By gathering health data from 1 million people like Ray and Kim and Trevor and Samir, our country's best researchers will be able to develop treatments that are as unique and complex as we are. With this new information, doctors will have a better understanding of disease so they can innovate the next great breakthroughs in medicine. Once enough people join, suddenly everything changes. Information becomes clear, patterns emerge, and simple data transforms into life-saving knowledge.
This means that Ray and Kim's children and their children's children can live longer, healthier lives. By becoming one of the first 1 million people to volunteer, you can help reshape the entire future of healthcare for generations to come. If we can figure out how to fly, put a man on the moon, and connect the entire world, surely we should be able to improve the future of healthcare. Not just for Ray and Kim or even you, but for all of us. Sign up at joinallofus.org. The future of health begins with you. The All of Us Research Program is an ambitious effort to gather health information from 1 million or more people across the U.S. Researchers will be able to use this information to uncover new, more precise ways to prevent and treat disease and to keep people healthy. If we delve deeper into where we live, what we consume, what we do, that will have an impact on trying to prevent diseases in the future. Precision medicine will allow us to get the right medicine at the right time for the right person. Diabetes, high blood pressure, obesity, illnesses that black women get and die from needs to be researched. This isn't going to be some sort of Tuskegee experiment. This is going to be the community working together with healthcare institutions. Encore une fois, compatriotes haïtiens, nous retournons venir joindre nous, ou même qui t'a suivi nous dans l'émission Vive en santé. Nous t'a parlé de quand c'est maladie qui a existé, qui bon même symptôme, parce que là, pour pas du temps, nous avons dit, ah, eh bien, on va tousser, mais les médicaments, ça va être bon, on va prendre tout. Nous déjà parlé de 5, 6, 7, combien, même 10 causes de yon bagage qui a fait tousser. Donc, est-ce que, parce que le docteur a été bon ça, peut-être pas tout ça, est-ce qu'on peut avoir l'autre monde? Donc, c'est très dangereux. Il est important que le monde, les bons problèmes, ne pas passer les médicaments à lui parce que c'est un bagage qui est similaire. Non, ou rien doit être tout ça, le monde, 10 l'autre monde a tout ça, il n'y a pas même bagage. Je vous ai cité là tout à l'heure pour vous, je vous ai dit que vous avez des médicaments qui font tout ça, ou bien vous avez des problèmes gastriques, reflux qui font tout ça. Nous disons que vous avez droit gain un simple col qui faut tousser quand vous monde gain droit gain tuberculose tousser les gain droit gain nous pas qu'à suspendre compter combien bail qui faut tousser donc on pas qu'à baser sur tout cela pour dire mais qui ça monde gain parce qu'il demande plus détails plus réparation. Donc nous te montrer où poumon hein, dans toute intégralité li, et maladie que nous ouais dans poumon pour simple bonne raison pour qu'à comprendre les yon bagay paraît pour tout pas même. La image ça va regarder là, ça c'est yon moun qui gen ou pneumonie. Mais en gade, est-ce que ou est bronchio ou est bronchio pas affecté comparativement à moun qui de gen asthma, ou est bronchio rete bien clean, yon ouvert dans tout bagay yon, mais excepté côté qui gen en l'air, la bord droite là, au pèl lobla, ou est qui gen li affecté. Ou est toute inflammation qui gagne avec capable ces bactéries qui causent li OK li gen droit c'est une pneumonie quand en pneumococcal pneumonie a ka gagne mais mon gen droit gen un monde qui gagne par exemple HIV li gen droit gen PCP la peur de pneumonie li différent mais c'est pneumonie li tout mon gen pneumonie virale OK mon gen droit gen monde qui gagne l'autre maladie quand collagen disease quand qu'une maladie qui gagne coucou lupus quand qu'une toute l'autre maladie et qui gagne droit bon pneumonie tout so ou gagne droit gagne fungus qui gagne droit bon et toute ça lésion ça là pour moi so ou pas capable camper si mon nan well même les radiographies a fin bon picture ça li garder mais ou gagne en pile bagaille pour aller pour dire pour garder pour voir exactement est-ce que qui ça qui type qui étiologie qui cause qui bon pneumonie ça sous garder là ça moun ça gagne ou pleural effusion ça veut dire que ou pour pas ka ou tout reste en poumon hein, parce que gagne de l'eau qui envahit là pleural ça dit quand qu'on te montre pour moi pas là quand qu'on petit mi sangador li tomber là dans cage thoracique là li gagne li couvrir par ça nourrit les pleura on sac
quand on qui couvre li qui empêche le pas coller avec couture. Donc ça qui prend fluide ça gagne pile cause mon gagne qui ca fait ça mon gagne doit gagner monigal mon gagne doit gagner événement pancréas pancréatite gagne doit pleurer le fusion ou mon gagne doit gagner n'importe problème cardiaque qui va pleurer le fusion li gagne doit pneumonie donc pleurer le fusion dans lui-même ça veut dire li gagne de l'eau qui envahit par le poumon, mais dans l'espace entre poumon avec et une sorte de tache ou une sorte de doigt qui sépare tout le monde. Donc, qui parle coller dans la cage thoracique là. Donc, il est capable, ou pas là, mais c'est ça qui est là, où de l'eau vient envahir dans sa montre là, où le poumon pas externe, j'en le terrier. Mais, où mon dieu a un cancer, car il est capable de pleurer le fusion. Sur l'autre côté et parfois il est obligé prendre ça pour l'analyser pour voir exactement qui ça lié mon n'a gain droit c'est mnémonique faire ça quand on dit mon n'a gain droit gain l'autre problème cardiaque gain droit balle pleurer gain pile cause de effusion ça là où elle est obligé entrer aux aiguilles pour y aller de l'eau pour étudier lui non seulement gain des bagages gain thérapeutique qui ca aller pour moi capable externe. Ça c'est une parce que s'il a les trop, il empêche la respiration, mais de l'autre côté tout, il y a qu'à râler pour qu'à aller étudier pour voir qui cause qui bon ça. Voilà, donc il y a plus encore l'autre maladie en dedans pour moi. Ça fait déjà combien nous passer déjà pour capable essayer comprendre. Pour capable essayer comprendre qui ça gagne. Mais il y a une maladie nous pas fini là sans pas parler de lui. Parfois il pas même commencé là pour moi. Il commencé là pied à partir des clots que moun ka gagne là pied yo quand dit yo moun qui gagne qui ça bon clot ça gagne moun qui ka gagne malik dans s'il bon clot là moun n'gagne droit sur contraceptif li bon clot là moun n'gagne droit font long voyage li gagne pile raison qui ka ba faire moun clot clot ça capable circuler là dans poumon c'est ça konya nous pral reler ça nous reler pulmonary embolism. Nous fin montre clot là qui sorti l'ampio qui pour aller là vers qui monter qui a là dans poumon pour aller en bas droite poumon hein, et puis pour aller côté blanc la bloquer ça très 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 dangereux parce que lui interférer avec son relation poumon avec cœur nous toujours parler sans qui sorti l'en bas droite là il gagne supposé aller là poumon pour aller ramasser oxygène quand il y a les clot ça les boucher empêcher côté pour aller prendre oxygène là pour porter dans reste partie là quoi si ou l'on milieu qui pas il pas gain pour mener l'hôpital immédiatement pour qu'a prendre décision capable multiple parfois on fait ça dépend qui s'age lui il capable affecter cœur là donc de côté il y a qu'à faire les thrombectomie il retirer clot là gain l'autre côté c'est yo mettre sur anticoagulant pour permettre ou rester parce que si c'est pas ça il est capable fatal ça c'est tuer moun en pile moun après pregnancy à moun qui fait long voyage ça fait second on peut aller plus que 5 6 heures de temps ou conduire il faut qu'on camper sur route ou squat ou move pour permettre par information et clot qui vini à saute l'ampio pour aller en poumon nous joindre ça très souvent moun dans son long voyage il fait et puis l'elle rivé automatiquement avant même que on mène l'hôpital il gagne droit gagne problème il mourir donc ou garder ça dépend de qui ça clot là qui grosse clot là il gagne droit gagne impact même sous partie pression qui gagne sous partie droite cœur qui l'empêche ou bagage ces bagages sérieux donc il obligé rester en dans l'hôpital ça dépend de qui ça là mettre sous anticoagulant et puis ça alors sous lit obligé rester sous lit au moins pour 6 mois pour mettre sous anticoagulant. Donc n'a pas les bagages qui très 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 sérieux. Pour moi en tout, gain l'autre maladie qui ca affecter tout pour moi empêcher élasticité pour moi, empêcher changement pour gagner. Il pape cette fois-ci, nous pas le montrer lorsque ça nous les pulmonary fibrosis qui ca dans poumon, il presque pas ca ouvert Jean lié, il infiltré par une série de conditions qui ca empêcher que pour moi externe échange galon interféré laisse à moun ça si et ben c'est fatal tout donc pour c'est pour dire ou nous pas qu'à juste garder parce que moun a toussé
parce qu'elle a des difficultés pour respirer et puis pour gagner temps penser, il y a tellement bagaille. Ou pas qu'à prendre décision ça pour contour bail mon anti médicament boy ici le mieux parce que c'est bagaille qui a coûté mon la vie. Donc il est important que ou bien alka médecin et gagner qui mando ou c'est parfois c'est l'emergency room pour aller pour capable arriver parce que li ka confondre entre problème cœur ak problème poumon et gagner faut faire quand on se montre pour pulmonaire embolisme faut une immédiate intervention. Donc si ou pas clair sur question hein, li important que ou aller au médecin ou bien aller dans emergency room. Nous pas dit OK on va faire et puis on va tousser pendant 2-3 semaines on va faire propre mais théo qui s'acceptent là nous pas gain rien contre herbalisme, c'est-à-dire utiliser ça. Mais cependant, communiquer avec le médecin, parfois, nous jouons trop de dégâts qui fait. Parce que nous avons l'autre air. Et surtout, bon, ici, côté soutien en Haïti pour traverser 15 pas de l'eau, là, moi, nous n'avons pas accès à ces yon bagaille. Mais bon, ici, nous avons accès. Donc, pas arrêter pour dire ou pas faire. Et surtout, nous avons parfois nous avons assurance de tout le bagaille, mais nous décider. C'est les paroles qu'un médecin. Ou bien encore, il y a un bon lot de produits qui sont sur le marché. Que vous n'avez pas fait étude sur eux. Et il y a un peu de monde qui dénigre et dit non, on ne peut pas occuper parce que ça lui-même, le cas éliminer toute maladie. Il est bon pour toute maladie. Il est bon pour 101 maladies. Il est bon pour tout le monde. Il est traité tout le monde. Vraiment? Si au monde, gagne, just imagine. Parce que c'est ça que vous parlez de healthcare industry, santé monde. Ça coûte fortune. Ça coûte un pile là. Si un monde gagne un bagage qui a traité tout le bagage, et pas millions seulement, non, mon zaga fait. Non seulement sauver la vie monde. C'est pas millions, millions seulement. Donc, à qui ça va arriver, chers amis? Il faut que nous fassions balance. Si on m'a dit ça est bon pour tout le bagaille, comment se questionner? Il va pas bon pour tout le bagaille. Et si on m'a dit ou, et ça, conseil des maladies qui chroniques, et m'a dit ou l'a effacé maladie, combien d'études tu fais sur lui déjà? Côté le jeune saldi, possibilité ça. Qui Jean, c'est moun sa seul qui gagne secret ça. Mais à vivre dans un monde qu'on y a, tout bagaille à la portée de tous avec Internet. Le monde connecté. Si moun sa dit, ça qui bon pour 101 maladies, li bon pour tout bagaille là, mes amis, on met tête nous en place. On garde. Côté sous ça, sorti. Qui j'en fais, c'est seul ou même qui connaît. Et si, combien de fois, quand des gens qui a mouru, que ce soit par cancer, par l'autre bagaille, et puis moun sa lui-même, il dit que il gagne connaissance sur toutes les affaires. So encore, on essaye d'apprendre ensemble. On essaye ouvert, discuter. On essaye de comprendre. Parce que l'image, là, nous montre. Nous pas avlé, c'est pas quand on nous dit, nous détenteurs de tout savoir, mais. Si on est à l'école primaire, ou à l'école secondaire, ou à l'en collège, ou à l'étudier médecine, ou fait spécialité et sous-spécialité, regardez combien de temps ça prend. Et nous, s'il y a une difficulté. Alors que l'autre monde voulait simplifier, il dit où, prends ça, qu'elle soit maladie ou guerre, la traite. Moi, je crois qu'un seul monde que je ne j'aime rencontrer avec elle, moi, je crois parfois, by my faith, c'est bon Dieu. Mais bon Dieu, tout, il y a une bonne possibilité pour aller augmenter connaissance pour capable de dominer le monde. Non pas par infantiliser ou, non pas par zombifier ou, non pas pour vouloir faire quoi toute bagaille sans que le bagaille démontre lui. Mes amis, en réveillant,
ça qui a passé là, côté nous, aujourd'hui, que soit bon ici ou bien la caille, citoyens haïtiens, on apprend. On apprend ensemble. Parce que nous pas oublier nécessairement pour nous dernier dans toute bagaille. Parce que les haïtiens, ils sortent dehors dans toute discipline, aller, ils jouent une place là au sein de l'humanité, parce que de tous côtés. Pour qui ça fait nous pas aller plus loin, et surtout la caillou, et surtout la communauté. Nous. Donc, c'est une petite réflexion que nous avons fait ensemble avec, ou que ça nous montre là. Nous, en nous garder ensemble. Ensemble. En discuter ensemble. Pas avec samedi ou là, ou accepter, côté me joindre. Samedi, ce n'est pas moi qui fais, je démontre lui. Pour comprendre, avec image, pour capable poser question. Lors poser question, ou clarifier pour vous, et bien, on vient plus de connaissances. So, c'est là qu'on a prêté aujourd'hui, hein? Mais nous disons, c'est toute une série. Et ce n'est pas même seul comme professionnel de santé qui a fait ça. Il y a un mille monde qui a vu dans l'ombre ça pour être capable d'élargir connaissances nous et pour nous capables de chercher moyen pour nous vivre plus bien. C'est un plaisir avec vous. Captez-nous sous ComCavision. Checkez-nous dans Facebook, dans YouTube. Mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller rencontrer vous. Dans des églises, dans des cœurs, tout côté haïtien, pour nous tendre une discussion, ça, pour nous clarifier. Parce que plus connaissance, c'est ça qui libère les hommes. C'est l'éducation. Connaissance, c'est ça qui baille ni pour fortune, ni protéger aussi tout le monde. So, encore une fois, on fait l'ensemble. So, à la prochaine. What is health research? Health research helps us find new ways to treat and cure diseases. Health research helps all of us live longer, healthier lives. And while we've been able to discover so much, we can still do better. Let me give you an example. Imagine you were looking for something in the dark with a candle. You'd probably find it eventually, but wouldn't it be easier if you had a million candles? The same is true for health research. The more data we have, the quicker we can find what we're looking for. Enter the All of Us Research Program. We want to help advance health research by creating a large health resource. How big? 1 million people big. By having access to the data of 1 million people, researchers can discover more about our health and the possibilities really are endless. Here's where you come in. By sharing information about your lifestyle, environment, and biology, you can help empower the medical research of the future today. Meet Ray. Ray lives on a farm. He loves playing kickball with his grandkids, but lately he's gotten a little slower and been visiting the doctor a lot more often. This is Kim. Kim lives in the city. She loves to exercise, cook healthy meals, and can't remember the last time she called in sick. They're both people, but not all people are the same. And yet, when we visit the doctor, our treatments don't look that different. Why is that? Because we just don't have enough information to do it better until now. Enter All of Us, the research program based on precision medicine. Precision medicine is a revolutionary new approach to treating and preventing disease that's personalized instead of one size fits all. By gathering health data from 1 million people like Ray and Kim and Trevor and Samir, our country's best researchers will be able to develop treatments that are as unique and complex as we are. With this new information, doctors will have a better understanding of disease so they can innovate the next great breakthroughs in medicine. Once enough people join, suddenly everything changes. Information becomes clear, patterns emerge, and simple data transforms into life-saving knowledge. This means that Ray and Kim's children and their children's children can live longer, healthier lives. By becoming one of the first 1 million people to volunteer, you can help reshape the entire future of healthcare for generations to come. If we can figure out how to fly, put a man on the moon, and connect the entire world,
Surely we should be able to improve the future of healthcare, not just for Ray and Kim or even you, but for all of us. Sign up at joinallofus.org. The future of health begins with you. The All of Us Research Program is an ambitious effort to gather health information from 1 million or more people across the U.S. Researchers will be able to use this information to uncover new, more precise ways to prevent and treat disease and to keep people healthy. If we delve deeper into where we live, what we consume, what we do, that will have an impact on trying to prevent diseases in the future. Precision medicine will allow us to get the right medicine at the right time for the right person. Diabetes, high blood pressure, obesity, illnesses that Black women get and die from needs to be researched. This isn't going to be some sort of Tuskegee experiment. This is going to be the community working together with healthcare institutions. Bonsoir, bienvenue dans Haïti Cap Cuite. Invité nous à soir, c'est James Beltis, qui est membre de l'organisation Nous Pas Dormi, qui sorti dans le gros mouvement Petro Challengers. James Beltis, bonsoir. Bonsoir et salut tout le monde qui a regardé l'émission. En forme? En forme. Et avant de rentrer dans plusieurs points d'actualité, nous allons débattre. Nous pas dormi, comment structurer, comment fonctionner? Un président, un secrétaire général, un coordonnateur, un trésorier, un porte-parole, un marconnet, non? Comment charpenter structure ça? Bon, en fait, nous pas dormi, c'est lié en phase de structuration. Mais nous avons une option, nous prenons, et qui est liée avec nature mouvement, j'en ai commencé à. C'est pas une structuration verticale, mais qui est plus horizontal. Donc, nous avons plusieurs commissions dans nos babdomi et commission ça yo, yo gagne des représentants kalena au secrétariat général. Secrétariat général ça gagne 5 monde là-dedans et il y a 3 commissions dans secrétariat général ça gagne 2 membres qui permanents et il y a 3 membres qui viennent de chaque commission. OK. Donc, dans secrétariat général ça gagne secrétaire général, non? Non, gagne juste 5 secrétaires. OK. C'est eux même qui prend toutes c'est eux qui prend toutes directives, si vous comprenez bien. Oui, un peu, mais vous connaissez l'Assemblée générale là, c'est lui-même qui sous-tête tout le bagaille. Mais le secrétariat général là, lui-même, il est là pour lui coordonner l'activité. OK. On nous venons dans l'actualité qui est dominée par plusieurs points qui viennent là, notamment avec le document ça, l'organisation politique et météo qui est faite sous leadership, 4 sénateurs qui sont dans l'opposition, qui sortent tout dans le secteur démocratique et populaire là. Mais avant ça, nous avons sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook, il y a une autre proposition qui sortit, pas qu'à dire ça en proposition, mais nous parlons de 4 R au niveau de nos papes d'hommes. 4 R, ça, c'est RITI, redressement, redynamisation et puis rigueur. Ça, oui, on peut grain par grain. D'abord, nous parlons pour RIPTI. Ça, ça y est. Bon, nous parlons de, dans le document, ça, nous parlons de RIPTI parce que pour nous-mêmes, et nous bien dit, bon, pour nous clarifier, c'est que nous n'avons pas une proposition de sortie de crise. Okay. Parce que nous estimons que nous avons assez, parce que nous gardons un pile là-dedans et nous ne voulons pas entrer dans la logique pour nous faire une énième proposition. Mm-hmm. Mais nous, surtout, faisons un document qui propose un cadrage pour transition. Mm-hmm. Et nous faisons un objectif pour transition, parce qu'en pile fois, historiquement, nous voyons que le problème qui a créé la situation pour nous en tomber dans la transition, il n'y a pas bien inventorié et puis il n'y a pas reflété quel type de transition nous allons gagner. Donc, nous pensons que le document ça a une mission à gagner, c'est permettre que la transition ne pas trahir la bataille qui a mené dans la transition, qui sont batailles contre la corruption et l'impunité et qui sont batailles pour la justice sociale. C'est-à-dire, si vous regardez tout fond de revendication, c'est sous fond ça vous fait. C'est corruption avec impunité et puis justice sociale. Côté moun y a dénoncé gaspillage et manque de services qui viennent dans le pays. Donc pour nous-mêmes, là nous dit RIPTI,
Donc, il faut gagner de nouvelles pratiques dans la vie politique. Il faut nous couper fâché avec le conseil de pratique. Pratique, les gens viennent dans l'État, ils ne pas venir servir, c'est juif, ils viennent jouer. Pratique, les gens viennent, ils ne pas avoir aucun respect pour le poste. Pratique, pour nous mettre n'importe qui dans n'importe poste. Pratique, question morale publique, là, ne va pas dire rien. Pratique pour dire que la politique, lui-même, il a fait sans aucun morale. Donc, nous pensons qu'il doit y avoir une rupture avec Bagay Sayo dans la transition. Ce n'est pas la transition totale qui peut le faire, mais la transition doit poser base, doit mettre des jalons pour nous couper fâchés avec notre pratique Sayo. Parce que la population, li exige notre offre politique. On demande dans la rue pour la politique la fait dans l'autre genre. Donc, la transition doit créer base pour nous faire outil ça. OK. Avant nous venir sur quelques bagages, on prend chaque grain de RSAO une après l'autre, redressement. Pour question redressement, c'est que nous pensons que c'est surtout nous parler d'un niveau institutionnel. Parce que nous pensons que nous avons une série d'institutions dans le pays pendant bon temps, pour nous dire 10 dernières années, ils ont galvaudé, ils ont détourné des missions, ou bien ils n'ont pas rempli mission du tout. Ou bien tout pratique qui gagne en dans institution fait que il y a des questions qui pas jamais posées, il y a des questions qui pas jamais adressées ou bien tout participer dans déstabiliser pays assis pour un système de question électorale là par exemple. Pour nous même on passer mais qui doit faire dans institution ça. Pour nous même doit l'état haïtien de bailler tête les moyens pour créer une infrastructure électorale qui stable. Côté c'est pas seul les élections pour blanc bas en cob et puis mon a acheté ordinateur, mon a fait sans tabulation, mon a non. Nous pensons que doit qu'on passer mais haïtien doit connaître qui sa système électoral là. Ce n'est pas un moment d'élection pour y avoir une fête quoi là, mais tel autre, non. Donc, c'est une institution qui doit être là en permanence. C'est une institution qui est là en permanence. Et tout haïtien, quel que soit niveau, quel que soit niveau intellectuel, comme nous en société côté, que y a des gens qui ne parlent pas, c'est dommage. Nous avons mis des comptes ou pas, il faut qu'il soit capable de comprendre qui sa système électoral là. Et ce n'est pas le jour que le bras vote pour y avoir un petit SMS, est-ce que le téléphone est en charge, est-ce que l'Internet, c'est pas. Normalement, une institution tant qu'institution électorale là, il doit être clair parce que c'est une non. Institution qui baille plus problème. Mais soit dit, on est capable de prendre l'autre institution qui en avait. Oui, exactement. Nous avons parlé du redressement tout. Nous avons une bonne, par exemple, nous avons une bonne institution l'État baille tête li pour combattre blanchiment, corruption. Ou bien tout pour veiller contre l'État. Nous avons un coup de compte là, nous avons une pression populaire qui fait le baron rapport. Il y a 10 ans depuis le baille, il va faire travail. Li. Donc ça veut dire que le redressement n'a pas l'IA, c'est ça. C'est permettre que l'institution fait travail. Yo. Si c'est moi qui manque, il faut regarder ça, mais si c'est. Si c'est juste une question d'efficacité ou bien l'État vient en risque parce que vous avez passé temps, donc il faut regarder ça dans la position. Maintenant, redynamisation. Non, redynamisation, nous surtout, où elle est dans le niveau économique. Parce que nous pensons que c'est des revendications qui viennent dans la rue. C'est des revendications populaires qui ne pas daté de jeudi. Et revendications, ça, ou pas répondre avec vous si vous ne pas garder l'économie pour ça. Nous, dans le pays, par exemple, et nous avons dit que l'économiste qui a parlé, il dit que plus que 40% et taxes d'État qui a ramassé, il va sur eux. Il y a une question d'exonérer les taxes, il y a une question de franchise. C'est des bagages pour nous regarder. Parce que c'est vrai que nous avons dit que c'est des décisions économiques qui prennent pour faciliter l'investissement. Mais en même temps, il faut nous garder que dans le même pays, ça y a facilité les gens faire des investissements. C'est dans le même pays, ça, où on doit faire un accident. Et pour arriver à l'hôpital général, et puis le docteur n'a pas gagné là. Il n'a pas gagné là, il faut dégager, aller chercher médicaments, aller chercher toile gaz, aller chercher sérum. Donc, il faut que l'État lui-même, lui vraiment transforme l'État en l'État qui a servi la population. Mais pour le faire ça, donc on est clair, il faut gagner des moyens. Il y a une pratique économique qui gagne un pays qui n'a pas favorisé ça. Non seulement gestion des ressources, mais chercher des ressources qui côté au prend, ça, c'est le problème parce que vous devez adresser dans la transition. Enfin, rigueur. Rigueur, nous parler de rigueur, c'est parce que nous pensons que nous avons laissé grainer dans le pays, dans tout niveau. Lundi, laisser grainer, quitte c'est dans la façon de gérer les ressources, mais quitte c'est dans la façon d'adresser les problèmes, quitte c'est dans le sens de responsabilité que nous avons par rapport à un poste. Par exemple, nous avons un dans les sénateurs, nous avons un n'importe poste là, nous parler même avec n'importe monde qui est dans la société, qui a fait capement des services là. Mm-hmm. Donc pour nous-mêmes, nous pensons que l'État doit Haïti pas un pays qui est riche, mais en même temps pas un pays qui est pauvre. Tout. Donc nous pensons que nous avons une sorte de rigueur dans la gestion à faire l'État. Parce que nous n'avons pas gagné tout ça, nous avons gagné, puis il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diamant. Donc si nous avons des ressources, il faut gagner des rigueurs qui fait dans la gestion des ressources. Mm-hmm. Sinon, nous avons tombé dans une sorte de gaspillage et nous, qui j'en passé dans le Parlement, tout le monde a plein qui parle et pouvoir législatif avec l'exécutif là, il est très budgétivore par rapport avec de l'autre question. Mais en même temps, il y a tout le budget ça, il n'y a pas aucune rigueur dans la gestion, dans la dépense.
pas aucune façon que la population même qui a consulté est-ce que l'agence a eu bien dépensé ou mal. Donc nous pensons que nous avons une rigueur dans la gestion ressources l'État parce qu'il n'y a pas en pile. Maintenant, avec 4 RSAO, rupture, redressement, redynamisation et puis rigueur, comment nous parlons avec lui? Qui est-ce qui va appliquer? Qui est-ce qui va exécuter? En fait, je ne dis pas, nous ne voulons pas rentrer dans une démarche pour nous faire une proposition de sortie de crise. Mais nous-mêmes, étant donné que la bataille Petro Challenger a mené, nous-mêmes qui n'avons pas dominé à mener, nous disons clairement que son bataille contre corruption, contre impunité pour justice sociale. Et nous avons des inquiétudes pour nous produire une transition qui trahit la bataille. Donc, sous base de ça, nous proposons une société en cadrage de transition et que nous-mêmes nous prenons le gourmet sous ça. Et dans tout acteur, il faut nous rappeler tout. Proposition nous fait, c'est pas une proposition nous chita la caille nous fait. Nous faisons une consultation sur les réseaux sociaux, côté de gagner plus environ 7000 personnes qui ont réagi. Et après les documents sortis, ou après du pourcentage, par exemple, les nous proposons dans le document pour transition, il n'y a pas parti sous base aucune institution qui existait là. Ni Parlement, ni la justice. Donc, on conseil de l'institution qui a baillé tête, côté qui compte prévoir les grands vides institutionnels, c'est la voie aller. Là, nous avons consulté plus de 7000 personnes. Tout le monde a dit clairement qu'il n'y a pas aucune confiance dans l'institution. Dans 10 dernières années, la constitution a verrouillé sous base pour faire de corruption, pour faciliter le monde de bagaille. Donc, sous base, nous pensons en transition pour faire rupture tout bon. Il n'y a pas de gagner. Il faut que son bagaille qui partisse en base consensus. Ce n'est pas aller dans l'institution qui déjà fait problème. Qui ont du régime qui passe qui est en verrouillé pour protéger propre tête par eux pour y aller au contrôle transition. Ça veut dire par l'institution ça qui était trois pouvoirs, c'est de ça n'a parlé. Par là d'ailleurs, est-ce que ça supposait retirer totalement, il n'y a pas existé pendant tant de transition ou bien il existait mais nous diminuer pouvoir. Non, c'est juste que par exemple il y a par exemple propre gain de monde qui proposait un juge dans cour de cassation. Oui, n'a pas dit ça. Pour nous-mêmes, nous pensons que et bon, les nous garder après consultation, nous jeunes plus que 85% de monde. Sous 7000 personnes qui ont consulté, qui pensaient que c'était une très mauvaise idée, si nous voulions vraiment couper fâché avec la pratique qui se dit là. Parce que nous faisons 10 ans, il y a tout comme ça qui se dit la pile dans le pays, il n'y a pas aucune institution qui dérive et protéger nous contre ça. Sur qui base, si nous voulons faire un redressement, nous avons demandé pour faire, nous avons cherché des éléments dans l'institution pour faire un redressement. Donc, 85% de personnes ont fait option pour un bagage qui est neuf, qui est parti sous base consensus et qui n'a pas trahi l'esprit de revendication populaire qui est dans la rue. Donc, pour appliquer ça, pour appliquer 4 RSAO, pour faire une rupture totale avec le système qui est là, pour qu'on aille vers d'autres bases qui sont capables de plus protéger nous, qui sont capables de plus gagner justice sociale, ça va parler là-dedans. Impunité, ça, lutte contre la corruption, ça, nous ne pouvons pas parler là-dedans. Pour nous faire un redressement économique, ça, qui est capable de permettre nous de rendre plus efficace les ressources que nous gagnons, redynamisation, tout, redressement institution, et mettre plus de rigueur dans le monde qui va diriger ça et institution, nous. Ce n'est pas sous belle parole de belle fête. Est-ce que nous comptons intégrer l'espace pouvoir pour que nous disions, mais ça n'a fait, ou bien pour que nous venions faire ça, nous disons, ou bien nous comptons dire pour que nous le faire pour nous? Bon, en fait, cette question ça, nous ne pouvons pas dormir, nous avons une position commune, il y a une question ça vient souvent, et que nous-mêmes nous pas intéressés à l'occuper du poste en transition. Nous-mêmes nous plus souhaitons comme un collectif citoyen qui a mis pression, et qui a mis pression pour bagarre au fait. Façon que vous le faites pour tout le monde qui arrive à tirer un bagage dans la société. Donc, nous pensons que nous comprenons que nous avons un enjeu que le document ça, et puis nous n'avons pas fait cas de lui. Nous connaissons ça comme possibilité. Mais nous-mêmes, nous croyons dans le pouvoir de pression. Nous. Parce que la transition, ça pourrait le faire là, nous dit clairement que c'est une transition qui peut faire rupture à vrai. Et même que nous parlons de pouvoir, mais nous ne pouvons pas camper garder. Et du monde qui va le détourner attention au monde, sous question ça. Bonjour, James et Beltis. Je vous dis à là, nous pas dormi, faire mouvement de protestation. Nous prenons la rue, nous faisons tout palais, nous prenons des positions dans la presse, nous voulons pour le président aller. Pour le président aller, pas seulement aller pour aller, c'est monsieur logique, non bien, c'est aller pour la rendre compte devant la justice. L'aile finale, et l'après, selon nous-mêmes. Le président finale? Oui. Non, nous-mêmes, bon, aller à nous, si je prends plus de précaution. Nous préférons dire démission pour monsieur démissionner et puis pour lui mettre tête disponible pour la justice. Okay, oui, parce que Alia veut dire exil, Lika veut dire exil. Voilà, tout comme Lika veut dire parce que son bataille contre la disposition de la justice. C'est son bataille contre impunité. Souvent, il y a des chefs, il y a des dirigeants haïtiens, ils ont reproché un paquet de bagages et puis ils allaient aller jouer l'argent. Ils ont quitté le pays à un problème. Il y a même qui ont dit qu'ils ont cigarette, ils ont deux points pour nous, tellement ils connaissent qu'ils dégagent au fait. Donc, tout ça est rentré dans le cadre de bataille. D'ailleurs, si nous nous rendons compte bien, nous avons que.
et une spécificité bataille qui gagne aujourd'hui pour jeter Jovenel Moïse là en pile mon a prend précaution pour dire c'est dans prison pour l'aller. Même le plus simple des citoyens, ou attendre dans la rue de jeunes, yo dit faut qu'il arrête. Donc nous censé gon rupture entre ça qui passé yo aujourd'hui. Par exemple, Aristide c'était faut l'aller, blanc vinn prendre. C'est gain ça dans revendication. Mais on pas tant des bagages ça encore, on pas tant des blancs vinn prendre, on pas tant des faut l'aller, on tant des jugements, on tant des procès. Nous même qui en nous pas dormir qui c'est des universitaires qui dans toutes qui fait toute discipline pratiquement et scientifique nous à l'école, nous très connus. Nous connaissons que Jovenel Moïse allait pas dans prison pour aller. Parce que la justice pour reprocher là hein. Non même pas jeudi là une seconde deuxième et Beltis. Jeudi là président seulement victime d'un de suspicion de corruption à travers deuxième rapport et Petrocaribia mais pas aucune et action en justice qui courent contre lui, il pratiquement innocent, soit évoquer présomption d'innocence, il innocent par rapport à tout ça. Dire, puisque il pas coupable, c'est lorsque la justice établit cette situation. Et la justice peut quand même relever elle-même. Non, mais même pas d'abord dire innocent. Bon, c'est présomption d'innocence. Il y a un droit avec, mais sauf que, il faut nous clairement n'a parlé d'un président côté il y a deux rapports à la Cour des comptes qui sortent. Nous avons deux rapports sénatoriales. Nous avons deux rapports de la Cour des comptes. Et nous avons rappelé que la Cour des comptes, son instance, l'État, son bras technique, l'État baille tête li pour faire pour auditer contre lui. Donc, ce n'est pas n'importe quelle décision. Ce n'est pas un sénateur qui dit président li dans la surfacturation et que l'État si un contrat mal et que l'État exécuté du contrat mal, que l'État exécuté normalement. Ce n'est pas un monde dans la réa qui dit c'est la Cour des comptes. Donc, par rapport avec ça, et sans compter question usurpation de titre, et sans compter que le rapport qui sorti sous la question massacre la Saline qui montre clairement que le pouvoir de l'État est impliqué dans le massacre, avait dit que nous vivons une situation côté son président qui est totalement décrié. Bon, mettez sous côté toute incapacité de gagner pour diriger le pays. Tout manque de vision, tout problème d'analyse, tout mépris qui gagne pour des problèmes qui sont très fondamentaux et qui ont déjà soulevé colère, mon yo, de regarder quelle façon monsieur a dit ces problèmes. Donc, l'autre ça, ils font un package. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement comme un président corrompu qui a contesté et Jovenel Moïse, mais il a surtout contesté pour arrogance avec incompétence. Donc son monde qui vient tout un défi pour la société. Donc ça veut dire que même que ou a dit les juifs de présomption d'innocence, là, mais le fait que son monde qui est totalement décrié, qui montre une incapacité, une incompétence qui éclate dans les yeux de tout le monde, donc ça veut dire que... avait dit que c'est deux bagages en fait c'est deux bagages donc mais sauf que pour incompétence pour arrogance par contre quelqu'un doit le condamner pour passer d'incompétence parce que t'es arrogant c'est la justice non mais ça la justice pour aller surtout sur ça que nous reprochons là qui c'est implication présumée li voilà. De Petrocaribia là je vous dis là dit pas qu'aucun bagage qu'on capable mettre sous dôle pour dire que ou coupable de ça monsieur président ou coupable de ça c'est ça qu'on demande pour passer devant juge parce que quelqu'un va être capable de dissoudre bon bras technique l'État qui dit il est soupçonné dans corruption. Il y a eu le recevoir contre mal. Donc, comme il est premier citoyen pays, il s'est garant toute bonne institution, il y a deux bagages que nous ne pouvons pas écrire. Nous ne pouvons pas écrire que, par exemple, il commence à faire, il utilise porte-parole qui a fonctionné au frais de la République pour défendre lui-même comme citoyen. Ça, ce n'est pas normal. Ouais. Il n'est pas honnête pour le faire ça. Pour défendre l'homme d'affaires, homme d'affaires, voilà. Jovenel Moïse. Il n'est pas normal parce qu'il n'est pas capable de payer un porte-parole de la présidence pour lui défendre un citoyen qui brûle corruption à cause de lui. Donc, ça, il n'est déjà pas normal. C'est une raison qui montre qu'il faut le démissionner. Parce qu'il faut lui aller en simple citoyen pour la défendre tête. Elle dit, en dehors de tout. Si le démissionne de Jodia là, on hypothèse, Beltis. Si le démissionne de Jodia là, président démissionné, elle a calibré Chita, oui, avec famille, elle a activité, il ne peut pas le devant la justice, non? Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité, c'est un fait. Non, mais l'aime de son possibilité, ça qui est arrivé. Parce que nous, dans le pays, il ne faut pas faire tête, nous ne pouvons pas faire nous, dans le pays qui, nous pas dormir, nous dit ça, c'est un pays qui est sous deux, qui campe sous deux jambes. Corruption avec impunité, injustice sociale. Donc, nous n'avons pas de prétention pour nous dire que tout le monde va passer, je ne souhaite pas. Nous connaissons que tout système de corruption, ça, qui a mis les gens à défendre là, qui fait que lui-même est toujours accroché au pouvoir, il a mis toute batterie et propagande et force nécessaire pour empêcher M. la justice. Mais nous-mêmes, nous vigilons tout. Parce que la bataille n'a fait, nous avons pile victoire là-dedans. D'ailleurs, il y a pile monde qui dépense et après 2-3 semaines, il n'y a pas besoin de parler de Petro Challenge. Actuellement là, nous avons deux rapports dans nous sous pression. Donc nous pensons que c'est dans l'ancien, ça nous prend aller. Parce que ce qui s'est passé, son goutte d'eau qui est renversée vers là.
faut rendre conforme yo garder configuration société à connait mon yo dit clairement que ça va passer. OK, nous mettons je viens aller la justice pour ça pour la bas explication, n'est-ce pas? Bon, c'est qu'il faut qu'il y ait la justice pour lui, il faut qu'il démissionne, oui, pour le suspendre faire entrave parce qu'il est au premier citoyen pays a ou possibilité de prouver la justice faut pas président. Voilà. Tout au moins. Deuxième bagarre là, c'est que faut nous casser avec système impuni ça. Oui, mais pour la justice, pour la explication, pour l'expliquer, pas une enquête qui va le faire. Donc, pour nous, pas qu'il y ait une possibilité pour que le taille pas être innocent de tout ça la prochaine là. Non, nous-mêmes, nous ne connaissons. Sauf que nous connaissons, faut que c'est la justice qui peut décider sous capal là. Ok. C'est pas nous-mêmes comme citoyens, sauf que nous-mêmes en tant que citoyens, nous sentons qu'il va faire honneur nous pour un monde qui aussi décrié dans la corruption, dans toute qualité de bagaille, qui a dirigé le pays. Ça veut dire, il est coupable, tout comme il est innocent de ça la prochaine là. Oui, ça peut arriver. Ok. Maintenant, nous-mêmes, nous pas dormir, prendre la rue, manifester, nous montrer capacité, nous force nous pour que nous mobiliser la population. Ils ont fait nous un certain crédit parce que nous c'est des jeunes qui ont impliqué dans une série de bagarres. Lorsque nous convoquons la population, ça je peux en témoigner, ils répondent nous. Sur plusieurs manifestations nous lancées, ils répondent nous. On a demandé président pour y aller. Est-ce que nous avons un sentiment que en même temps on a demandé président pour y aller parce que nous voulons pour que nous finissions avec injustice, corruption, pour nous venir dans la justice sociale, est-ce que nous n'avons pas de sentiment ou l'impression que nous avons fait travailler notre monde? Non. Inconsciemment? Non. Parce que en parallèlement, il y a une opposition qui a demandé le président pour y aller. Et l'opposition qui a demandé le président pour y aller, c'est une bataille pour pouvoir lier. Mm-hmm. C'est pour une bataille en fin de cœur, comme Dadou, il a fait le coup, et il a fait la défense, pas être, entre guillemets, désintéressé. Il y a mieux de prendre pouvoir. Mm-hmm. Et pratiquement, il y a sous doigt, il y a prendre pouvoir. Bon, moi-même, c'est politicien, hein, tant que nous avons en Haïti, il faut toujours clair sur lui. Il y a une plus grosse mission politicienne, c'est prendre pouvoir. Quand il n'y a pas le faire qui ça, ça c'est autre chose. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas sûrs que nous avons fait travail par monde. Parce que si vous regardez, si nous avons suivi la bataille Petro Challenger, vous avez rendu compte, au départ, pas de question de Jovenel aller. Mm-hmm. Pas de question de mission de Jovenel. Oui. Pour avoir une démission de Jovenel, c'est dans le premier rapport. Là. Par exemple, nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas parler de tout Petro Challenger à travers tout le pays, mm-hmm, parce que nous ne pouvons pas tout. Mais depuis en février, les coups d'œil ont sorti le rapport. Côté il épingle Jovenel Moïse directement, nous dit non pour une question morale publique, pour pousser à fait Jovenel Moïse supposé démissionner. Donc, dans le moment où nous finissons de dire ça, le deuxième rapport a enfoncé cloua. Donc, sous base ça, nous-mêmes nous partis sous base, parce que les n'a regardé toute attitude président, l'a parlé dans la presse, comment il parlait de questions pétro-caribéales, il dit que c'est question politique, c'est persécution politique. Donc, nous finissons de nous compte, monsieur son véritable verrou à procès. Donc, il n'a pas fait rien dans le pouvoir comme président pour favoriser le travail à la fête. Mm-hmm. D'ailleurs, comme garant institution, yo, la Cour des comptes écrit lettre publique, il dit que le cabinet ministériel, l'institution publique, il fait obstacle avec. Malgré le Cour des comptes dit ça publiquement, le président n'a pas dit un mot comme garant de toute institution. Yo. Donc, il est clair que ils sont blocage. Mm-hmm. Donc, sous base blocage, ça, nous exigeons des missions. Le président dit, oui. Il dit dans dernière proposition politique qui a sorti, il dit Agritran, c'était une institution litée président, et tout document là, si nous besoin, il faut la justice mettre à aller. Mais lui-même n'est pas corrompu. Il dit oui, ça. Oui, bon. Ça qui est clair, c'est devant le juge pour là, il dit ça. Non, pas ça. Il y a des côtés bien spécifiques et pour dire ça. Maintenant, mm-hmm, question de poser sur faire jouer l'autre monde. Oui, oui, oui. Donc, en fait, même pas qu'on a fait jouer l'autre monde, même pas qu'on a fait jouer pas non. Ou bien on profite de ça en affaire, mais ce n'est pas juste par une affaire. Parce que vous êtes profité de ça, oui. Non, mais nous-mêmes, nous avons profité de ça. Parce que nous avons profité de ça nous-mêmes. Parce que les femmes qui ont profité, c'est seulement pour nous avoir un poste, pour nous avoir un élu. Je crois que c'est ça. Nous avons profité là qui est extraordinaire pour nous connaître. Nous sommes sur route pour nous montrer tout le monde des possibilités pour bataille, pour bagaille changer. Mm-hmm. Et pour voir convocation à parler là, c'est ça que je veux dire. Nous voulons nous montrer la société, il y a des gens qui cap font bagaille sans qu'il y ait pas d'intérêt mesquin là-dedans. Et finalement mon yo vinn rendre compte ça parce que t'es con sorte de bagaille comme ça qui a traversé société là. Comme quoi tout le monde s'est corrompu, tout le monde s'est volé, tout le monde a réglé affaire par eux, tout le monde c'est parce qu'on parle là qu'il faut critiquer. Donc société a vinn rendre compte c'est pas vrai. Gagne des monde qui gagne de colonne vertébrale qui capable positionner derrière une idée, derrière des valeurs et puis sous base ça yo organiser pour forcer pour société à prendre on route que le prend l'autre. Donc ça veut dire que ça, c'est des bagages que la société a joué et la société a du bien que les gens ont rendu compte. Parce que les gens ont depuis quelques années. Il y a des gens qui ne peuvent pas soutenir la rue parce qu'ils disent que c'est politicien, ça ne peut pas sortir. Mais les gens ont besoin d'un groupe de gens qui ont fait confiance,
qui capable faire sortir dans la rue pour venir dire ça pas d'accord. Donc c'est le profit société a joué là qu'on a. Et je pense que n'a mené bagarre dans dernier bout li pour nous pas arriver dans situation parler là pour que c'est des monde qui a joué seulement dans dimension politique. Il y a une bagaille qui parle en pile dernier jour ça yo qui c'est dans médias traditionnels yo ou bien sur réseaux sociaux yo faut nous finir avec système ça faut nous changer système ça quoi nous même tout nous dit ça tout oui. D'ailleurs c'est un point yo rupture là c'est finir avec système là qui ça système là comment finir avec système là James Bell. Une belle question parce que et discours ça il vient tout nous on discours passe partout ouais. Et puis il manquait mon manquer bal contenu mais nous même par exemple dans nous pas dormir on a parlé de système là nous toujours prendre exemple sur éducation par exemple. Nous prenons exemple éducation. Parce que ce n'est pas normal. Moi, je m'ai dit ça hier avec deux trois camarades qui n'ont pas dormi. Je me pose une question si Haïti n'est pas le seul pays qui n'a pas l'école. C'est-à-dire, l'école haïtienne qui s'allie. Ouais. Pas de monde qui connaît. Mais qui n'a pas l'école, ouvre les l'école, un système éducatif unique. Oui, pas gagné. Uniforme. Ouais. C'est-à-dire que la Dominicanie, nous gagné. Donc, avait dit, en dehors de l'école là, qui n'a pas existé en termes conceptuels, mais en termes infrastructure, il n'a pas existé. En termes de ressources, avait dit ça pas existé. Quand il a là, il n'a pas les deux systèmes. Pour l'école là, Bertie, ça, l'autre cas, c'est encore bien sérieux. Mm-hmm. C'est vrai qu'en Haïti, nous avons l'école qui gagne 3, 4, 5, 6, 7 vitesses. Voilà. Mais dans tout pays étranger, gros pays, l'école là-bas, il n'y a pas tout le monde, non? Non, il y a une classe là dans tout. Non, non, mais je pense que dans tout pays, il y a de l'école privée, il y a de l'école publique. Il y a gros école privée, il y a une école privée qui fait pour les gens qui sont riches, qui fait pour les gens qui ont un petit riche, qui fait qui. Vous avez là? Voilà, mais sauf que ça qui est clair, c'est que le système d'éducation dans le pays qui est clair, pour tout le monde. Tout le monde a droit à l'éducation. Tout le monde a accès à elle. Dominicani, tout le monde a accès à l'école, l'État métier. Mais en Haïti, tout le monde a accès. Ou même parce que nous tête monde, on n'a pas accès à l'école là. C'est vrai que nous avons un territoire, nous avons un relief qui est difficile, ou nous avons des difficultés pour mettre l'école tout côté. Le fait que historiquement, les gens habitent tous les côtés sur le territoire, il n'y a pas de politique territoriale pour protéger les populations. Mais la question de l'école, là, pour nous-mêmes, dans la question du système, n'est pas normal. Nous n'avons pas de changement de système nous-mêmes. Nous prenons un exemple. L'éducation, n'est pas normal pour l'État d'accord dans nos sociétés. 80% de l'école, c'est l'école privée. Deuxièmement, plus que 70% de la population vivent avec moins que 2 dollars par jour. Et nous rendons compte, vous étiez mon l'école, son bagage qui coûtait un pile cop. Comment parents ça vous fait prendre soin, vous étiez mon ça au l'école. Sous base ça, changement de système nous dit clairement, faut que l'État assure que à l'école, si mon pas son parent encore. Là où pour grandir, dès qu'au cas où ça pourrait. Mais éducation est plus fondamentale. La question, est-ce qu'on peut changer de système avec les mêmes acteurs? Je pense que si mon dans les problèmes, n'a pas qu'à solution en même temps. Ça son bagage classique. Parce que le système n'est pas existe comme on a dit, mais le système n'est pas dans le studio. Non, là. Non, non. C'est le monde qui fait le système. Voilà. C'est le pensant qui fait le système. C'est le monde, c'est pratique, c'est mœurs, c'est valeurs, c'est un bon bagage qui fait le système. Mm-hmm. Donc, bataille, ça, c'est une bataille cap longue. C'est ça que fait nous-mêmes. Nous disons, nous ne pas dormir. Bataille, nous, hein, et Jovenel Moïse, son VU, nous besoin de sauter pour nous entrer dans la chambre pour nous résoudre le problème. Là. Donc, Jovenel Moïse, par finalité, bataille. Non. Sauf que faut qu'il démissionne pour nous-mêmes pour nous faire ça, nous faire. Parce que son choix nous fait. Nous faisons choix parce que grand pile monde qui choisit quitter pays à mes grandes générations monde qui pas intéressé quitter pays à yo voyager yo étudier yo vivre le bon pendant bon temps je dis là c'est pas choix par ça choix par c'est Haïti donc monde ça yo vient en Haïti yo dit non là nous ca aménager là pour nous vivre okay. Et pour nous aménager pour nous vivre faut nous casser question corruption impunité et faut gagner plus justice pour chaque 3 mois peuple a pas besoin dans l'arrière pour le casser caïmoun pour le casser magasin maintenant la bataille n'a mené pour que Jovenel Moïse démissionne et aller rendre compte devant la justice qui est-ce nous peut comme allié nous avons des monde n'a rencontré dans international en Haïti nous avons des rencontres n'a fait dans ce ça oui parce que pas faire bataille ça sans allié non c'est sûr bon moi qu'a dit moi allié en attendant il très fort moi dois pas utiliser mais sauf que par exemple pour nos produits document 4R là pas dit support tout vous voulez allié support mais pas faire pour contour oui nous gain 2 amis. Bon, oui. Et nous avons 2 ans. On a fait ça pour dire allié. Oui. Parce que allié, il y a un petit gens plus formel. Mais nous avons 2 amis, comme si il y a des gens qui sont très proches, qui sont des structures qui sont proches, nous, dans la bataille à faire. Comme si les Noirs font manifestation, les Noirs font mobilisation, nous consulter pour nous définir des bagages ensemble. Donc, et même gens pour nous produire document 4R, là, nous non seulement nous faisons consultation à plus de 7000 personnes, mais tout, nous rencontrer des secteurs, nous parler de comment nous comprendre la transition. Nous faisons discussion avec plusieurs groupes qui sont dans la société civile, là, organisations femmes, et secteurs qui sont dans l'économie, de groupes qui sont plus ou moins politiques. Tout. Nous rencontrons avec eux, nous faisons des échanges, et puis pour nos cas,
amplifier le document. Nous. Quel niveau d'implication nous dans le document alternatif à Jovenel Moïse et, on partit dans l'opposition au MDDO, côté que nous-mêmes nous priorisons pour que tu aies un président qui sorti dans la Cour cassation, qui juge dans l'intégrité, bonne réputation, tu aies un premier ministre qui sorti dans l'opposition engagée et vous voulez pas le mal aller, vous mettez un conseil national d'autorité, autorité nationale de transition qui gagne 11 bombes la donne, pour l'essentiel, c'est ça vous proposez. Quel niveau d'implication nous? Vous avez rencontré avec nous, vous avez participé à la donne? Bon, nous avons quelques tentatives de rencontres qui étaient faites, mais qui n'ont pas jamais arrivé de rencontres formelles, côté pour nous discuter sur des bagailles qui sont fondamentales, qui lient avec la conception de crise là et de issue de crise là. Pas de discussion formelle qui étaient faites sur ça. Mais nous avons des invitations qui étaient faites, et puis nous avons quelques monde qui étaient allés dans la rencontre. Mais documents, nous n'avons aucun apport dans le document, nous n'avons aucun engagement dans le document à sortir. Donc nous juste au courant document, t'as des tentatives de rencontre qui t'es faites sur ça, mais nous pas de jam non aucun atelier de travail ou bien nous pas qu'être fait aucun échange avec eux sous document ça. Mais document ça tout c'est pas comme ça nous est l'après Jovenel Moïse non? Non, nous pensons que une lipi complexe que ça, lipi complexe dans la mesure où parce que nous même nous attachés avec revendications dans la rue, nous insistons pour nous dire peuple a dit clairement qu'il refuse de vivre dans société côté criminalité impunie. Ils ont refusé de vivre dans une société côté que les gens sont même li élu. Seul pouvoir que dans même peuple là c'est pouvoir élu, pas grand rien qui vient jeune en retour. Nous refusé de vivre dans une société côté que c'est corrompu qui a dirigé. Donc sous base ça transition son transition qui doit couper fâché avec ça. Faut nous gagner l'autre tête, faut nous gagner l'autre valeur en de transition. Tout à fait. Maintenant c'est pas avant dernière question pour nous finir James Beltis. Président Claire, il pas démissionné. Où est gain des manœuvres politiques qui a fait quitte sur le plan international et fait des émissaires à venir qui pas de mandat, qui a un mandat etc. Pour qu'il soit capable jeune comment pour capable sauver le soldat et Jovenel Moïse. Après mouvement de protestation nous fin faire cette tout pays national nous prenons la rue et 9 juin, quel autre mouvement de pression encore nous gain dans nous. Bon, nous avons des activités à planifier. Mais nous avons planifié avec Jean Dédien, nous avons plusieurs autres organisations amies que nous, généralement, nous faisons des activités ensemble avec eux. Donc, étant donné que la semaine qui passait, là, nous avons pris en pile dans la question, bon, jusqu'à présent, dans la question de documents qu'il là, qui a dû sortir dans la semaine, en début de semaine. Ça. Mais nous pensons que la mobilisation va continuer. Et nous allons faire de concert avec tout l'autre acteur. Et l'autre acteur qui est impliqué dans la bataille là, qui est à la même genre avec nous. Donc, bon, c'est très prochainement, nous avons des communications sur ça. Mais ça qui est clair, c'est que M. Jovenel Moïse a démissionné, parce que c'est, il dit que ce peuple a été élu, donc nous avons révoqué lui. Et il n'a pas besoin de compter sur aucun monde. Pas aucun monde qui a sauvé. Maintenant, il y a des bagages qui font discussion pour moi de fin mois de juin, qui a privé pour mois de juillet à tout. C'est des examens officiels, côté que gen près de 400 000 timoun nou yo qui pral aller dans examen sorti dans 4e passer dans l'école de formation professionnelle yo rivé dans philo qui pral dans examen que moun ki estime fond da font rêve sur mouvement pour permettre que examen en fait pour timoun yo capable boucler année a ça mettre commencer encore ça nous pas dormir penser de ça nous prêt pour nous font rêve pour quitter examen en fait. Bon, moi ouais grand pile agitation politique qui fait sous ça, moi ouais grand pile manipulation politique qui a fait. D'ailleurs, il y a des gens qui même fait connaître que nous avons fait trêve pour l'autre activité. Ce n'est pas de commencer une trêve. Il y a des gens, c'est le sénateur Joseph Lambert qui font tweet, il dit même Jean-Petro Challenge a voté pour une trêve pour l'Ivan Folité fait 20 juin, il va connaître que c'est un officiel qui a fait pour ça. Il dit c'est mieux qu'on a fait une trêve pour l'école là. Oui, c'est une question de valeur. C'est une question de valeur, ça, on a parlé. Par exemple, deux gens qui sont des autorités, qui sont élus, qui ont chambre des sages, sénat de la République, il n'y a pas aucun problème pour le public pour le bail mentir. Pour le dire des bagages qu'il va vérifier. Donc, c'est une question de rupture là, oui. Elle dit, bon, c'est mon bagage qui est lié totalement avec Joseph Lambert lui-même. Son pratique qui gagne dans la société à côté de jeunes dirigeants qui n'ont aucun respect pour tête, qui n'ont aucun problème pour dire des bagages qui n'ont pas vrai en public. Donc, même pas c'est pas de gain ça du tout. Pas de gain, il n'y a pas de raison pour le faire parce que son sénateur de la République lié. Mais en même temps, tout, nous pensons que Petro Challenge, ce n'est pas eux-mêmes qui l'a pour organiser l'examen. En dans société, son société, c'est dans société n'a pas parlé. En dans société, il y a toute qualité d'activité. Il y a des protestations qui ont fait, il y a une instance de sécurité publique, nous avons un CSPN qui lui-même qui gère la sécurité pays. Il y a pour prendre toute disposition pour toute activité faite. Si il y a un examen qui va le faire jeudi là,
même les même gens qui parlent comme gagne élection, les pas gagne élection. Toujours une bonne rumeur qui a couru que mon appareil pour faire des autres et de fait toujours gagne des autres. Mais avait dit que c'est même bagarre pour les examens si pays a une sorte de ébullition politique. Donc il gagne pour prendre les mesures qu'il faut pour permettre que à la fois examen au fait et peuple lui-même lui porter revendication dans l'arrière. Mais après souvent souvent pour une protestation yo conn violent conn gagne machine qui a cassé yo même voyer watch sur l'école. Donc lorsque ça a fait parent ti monde là trouve il pas facile pour lui pour que le petit monde voyer dans la rue comme ça. Lorsque que mouvement protestation violent ça a fait. Oui, moi je pense que c'est vrai dans mouvement yo gagne de poches de violence. Mais faut nous reconnaître tout peuple haïtien son peuple qui pacifique. Et tout petit gros mouvement qui fait de 6-7 février à jeudi, il y a des cas isolés, de groupes qui très facile. Il faut nous d'accord que on colère dans la société. Et colère ça, faut nous pas seulement qualifier de violence, faut nous reconnaître que on mépris non seulement pour problème peuple là, mais pour lui-même en soi, comme si mon yo pas senti yo exister vraiment vrai. Et bagaille ça yo, yo pas bail rien que colère. Par exemple, mon yo mandé que pour monde qui a manifesté au fait trêve, mais yo t'ai qu'à dire l'autre bagaille, yo t'ai qu'à demander président rapidement démissionner pour permettre que pays a marché. Parce que en fait si bon problème dans pays là c'est pas monde qui a revendiqué yo son problème yo voulait adresser et puis dirigeant yo fait blackout total sur lui. Moi m'assure que si monsieur Jovenel Moïse décide li bail démission la soir là bon c'est examen presque garanti ça plus facile. Ou ouais, pense que c'est démission de constat tout ce qu'a blague non plus c'est trouble social. Non même pas quoi ça bon c'est que et vous savez toujours. Non, même pense que gon caractéristique dans crise là faut Noël. C'est première fois gon crise côté mon a demandé bon président démissionner, gain autant de propositions et gain autant de précautions pour mon prendre responsabilité après. Beaucoup gens moi ça. Gain plus que 100 propositions sorties de crise. Et non seulement yo tout net, yo opté pour une résolution haïtienne. Deuxièmement, au senti gon précaution qu'a prend. Yo pas ta vle pour faire ça, pour être bien en plus des autres. Tout le monde, tout acteur, il est clair que la précaution est nécessaire. Bertis, pour terminer, on met en perspective nos papes d'Omi. Jeudi, demain, dans 2 ans, dans 3 ans, si nous faisons choix pour que nos grandes sociétés démocratiques, il faut que nous gagnions l'élection la donne. Est-ce que nos papes d'Omi, pour le dire, bon, pour l'impliquer dans l'élection, la voie Bertis comme candidat pour première, deuxième circonscription Port-au-Prince, ou bien sénateur, ou bien maire de Port-au-Prince, ou bien qui porte l'autre municipalité, ou bien qui porte l'autre tête de pont qui est en dedans, nous dit bon, là, nous allons intégrer l'espace public, là, nous allons intégrer le pouvoir, nous allons mettre d'autres monde pour qu'ils soient capables de changer le système, ça nous voulons prendre, nous voulons faire, nous allons faire le part des élections. Nous avons ça en perspective? Bon, en fait, bataille nous dit clairement, nous sommes collectif de citoyens. Un collectif citoyen de jeunes qui fait choix pour vivre dans le pays et qui dit si pour vivre là, il faut qu'il se passe là aménagé pour vivre. Et son bataille cap long. Son bataille cap long qui prend plusieurs formes. Et l'aime dit plusieurs formes. Non, par exemple, dans nos papes d'Omi, nous dit comme ça clairement que le process a plusieurs dimensions. Il y a une dimension sociale là-dedans. Dimension sociale, pour le process social là, c'est que faut que nous vivions inculquer tout le monde. Depuis dans l'école, des valeurs qui comptent pratique corruption avec impunité. Mais nous pensons tout, et pour ça, il y a une dimension juridique, donc il faut qu'on juge, il faut qu'on tribunal qui tranche sur la question. Pour responsabilité ou fixée. Mais pour ça, il y a une dimension politique. Tout. Donc, les prêts à l'élection, il faut nous garantir que ce n'est pas des corrompus qui ont le poste de direction. Il faut nous garantir que ce n'est pas des corrompus qui sont nommés comme ministre. Mais pour faire ça, il faut que nous travaillions sur le profil de monde qui n'est pas corrompu, qui a compétence et qui est patriote. Ou même personnellement. Ou gen ambisyon sa? Li legitim wè? Ou yon se kou yon di non la ni sa? Non, men sa mble di. Mwen men sa mble di, mba go ken blokay. Mwen men son militant kap batay pou peyi. Pa gen yon mpa pre pou mfe pou peyi ya. Sa mkle. Kandida se ta denye bagay pou mda. Lem du denye, se le minimum ke mta ka fe. Si mwen ven yon situasyon mwen, mwen kan se kandida pou mkandida pou mal kombat an vakabon. Ou bien tou se kampi pou mkampi de yon lot moun pou mkombat an korompe. Nou pa ekate oken nan posibilite sa yo. Sauf que ça nous dit, bataille nous en poko là. Bataille nous en poko là, dans transition, nous pas intéressés. Nous plus intéressés à veiller à ce que transition pas trahi nature bataille là. Mais pour ça, il y a une dimension politique là-dedans. Si c'est pouvoir pour nous prendre, pour nous couiller de corrompus, nous n'avons pas aucun blocage sur ça. Merci en pile, James. Merci en pile, vous disponible tout. Merci, moi que merci. Voilà, invitez-nous à ce soir. C'était James Beltis, une tête pensante structure non pas abdominée qui sortit dans le gros mouvement Petro Challenger. Ensemble avec nous. Merci parce que tu as suivi Haïti 58. Restez sous Téliana Poison, l'autre, bonsoir.